Rocks. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de Tokyo Revengers. Incroyable. Alors on est pour l'épisode 7. Épisode 7, ouais, l'épisode 7. Alors ça s'est fini vraiment Ça allait finir bagarre, hein, tout ça. Ils étaient dans l'entrepôt là, prêts à se battre. J'espère bien. Puisque, voilà. Mais du coup, est-ce que c'est le combat c'est pas le combat du 3 août Ça c'est pas le combat du 3 août. Mais genre, il est venu pour des représailles, quoi. Vraiment pour faire bon. La querelle, c'est là. Je pense que c'est là où la querelle elle a commencé, tu vois. Entre. Entre Mobius et Tokyo Majin, tu vois. Ouais. Et que c'est à cause de ça que Draken est mort. Il y a eu aussi genre un truc interne, on a compris. C'était pas Mobius qui les avait tués, mais qui l'avait tué. Après, je sais pas c'est quoi le truc interne. Moi, je me pose la question si ça pourrait être. Parce qu'ils sont fort liés les deux, puis qu'ils sont petits. Donc, qu'est-ce qui pourrait vraiment niquer l'amitié? Bah, le truc, c'est que le Mikey, lui, il est devenu fou quoi, une fois que Draken est mort. Parce que c'était, on va dire, c'était sa stabilité. Là, on va voir comment ça va se passer. Hein. On va pas tarder ça. On va pas tarder. Je vais verser 20 ans. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore? Action! Réaction! Ils sont tous cuss. Quoi? C'est quoi qui a fait la traduction? C'est quoi des cuss? K-E-U-S. Ouf. Oh, ça a été gratuit. C'est de ce job. C'est du Hajime no Ippo ou quoi? Ouais, vraiment. Ah, ça va bien faire mal. Il reste debout, hein. Un homme vaillant. Oh, il est déjà cuit. Hein. Ouais, bon, les yeux sont blancs, c'est fini. Mikey va le défoncer, sa daronne. Dans la tempe, il lui a mis. C'est expédié ça, ça c'est pesé, c'est balancé. Hein. Ah, il lui a mis un coup. Un coup dans la tempe, par terre. C'est fini. Oh là 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 là. Il m'a mis des frissons. Ça, c'est un leader né, ça. C'est un leader né. Il va prendre la bouteille là à côté. C'est ça, peut-être. Ah, c'est ça, Chuck Rollmert, non. Ah. Non, c'est quelqu'un qui. Ouf! Ah, ok, non. Il y a un couteau. C'est ça le conflit, tu crois? Oh.
Oh merde. C'est ça le conflit, je crois. Bah oui, la querelle de Mardala. La pause. Ah, il se fait à chaque fois démolir en style. Il est tout grand. Il était venu voir aussi. On dit pas qu'il a ramené une pastèque aussi. Ouais, c'est un peu plus. J'aime trop la toutes ses affaires, gros. Une guitare. C'est quoi? Ils vont trouver où? Ok, il y a toute la dalle qui valse ou quoi? Il a l'air s'énerver ou pas. Il a l'air là, mais juste des coups de poing. Il a faut que l'épisode s'arrête. Ah non, mais non, gros. Mais trop... vraiment, il a pas été respecté leur affaire, vous voyez. Ouais, non, ses affaires, elles ont été éclatées, gros. Ah, eh ben, c'était un simple et bon épisode, hein. Il était bien drôle, cet épisode, je trouve. Ouais. Du coup, maintenant, on a compris comment pourquoi, il y a eu la querelle. Il y a eu la querelle et tout ça. C'était bien à partir de ce moment-là, quand c'est parti en couille. Donc, au final... Mais là, vu qu'il est présent au moment des faits, tu vois, dans ça le passé, ça change déjà le truc. Là maintenant, ce qui va faire agir là, comme toi en mode sur le futur, tu veux dire, enfin, ouais. Sur le présent plutôt. La façon dont lui il va agir, Takemichi va agir maintenant, peut-être face à la querelle. Mais de toute façon, juste là, ça change déjà. Juste là, ça change déjà, parce qu'à l'époque, il était pas là. Tu vois, ils étaient pas si potes que ça à l'époque. Enfin, ils le connaissaient même pas, donc. Il avait dit au début des épisodes, il avait dit qu'il avait arrêté l'école et ainsi de suite après la bagarre. Donc juste ça change déjà le futur parce que normalement il devait même pas se croiser de base chez Mike. Ouais, c'est vrai. Toi, Takemichi. Du coup voilà, bah écoute, moi je pense que le prochain épisode il va me trop faire rire. On va voir comment ça. Mais j'espère que ça a un peu plus accéléré maintenant. Bah ça va. Il n'y a pas eu grand chose de ouf. C'est vrai que la bagarre elle allait plus impressionnante que ça. Les combats ils étaient sympas. Le gars qui lui met le coup de couteau, bah, on comprend que c'est ça la querelle qui a commencé. Et voilà, c'est tout ce qu'on a eu durant cet épisode. Ouais, et puis la fin qui était amusante et drôle, j'ai envie de voir maintenant comment lui va réagir par rapport à ça. Donc voilà quoi. Juste Mike en fait, il est énervé sur Draken parce qu'il a laissé l'autre. Comment il s'appelle? Pacha? Pachi. Pachi.
Ouais, parce qu'il l'a laissé sur place, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une querelle. Sinon, j'ai pas. D'à côté, il a quand même poignardé un type, tu vois. Ouais, ouais, il faut assumer. Hein, tu vois. Et il l'assume. Il l'assume. Ouais, il l'assume, mais justement, Mike, il l'en veut parce que Draken, il l'a laissé. Au lieu de le choper. C'est vrai, c'est peut-être à cause de ça, ouais, juste. Donc, je pense que c'est à cause de ça. De toute façon, on verra ça au prochain épisode. Ouais, semaine ouais. prochaine. Hein. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, alors, sur ce, les amis, on va clôturer. On va clôturer. Sur ce, les amis, on va clôturer. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez un petit like, un commentaire pour référencement. Hein, ça fait plaisir. Hein. Toujours, voilà. Toujours, parce que j'ai boqué en même temps. Donc il fallait, voilà, il faut toujours. Il fallait baisser un ton. Changer de ton. Allez, baisser le ton. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout est dans la description. Bang, et Twitch, deux à trois fois semaine, comme d'habitude. Et on vous dit à la prochaine. Force de frappe, esprit d'équipe, et on est ensemble.